40 éléments et 24 armes lourdes et légères de l'ex-groupe armé Raia Mutomboki Ndarumanga, membre de la coalition Front Populaire pour la Paix, FPP, ont été présentés à l'autorité provinciale. C'était au cours d'une cérémonie organisée au cabinet du gouverneur Teongwa Bijekasi. Cette reddition a été rendue possible grâce aux efforts conjugués entre le FARDC et la MONUSCO en suivant toutes les étapes de désarmement et démobilisation. À cette occasion, le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, a rendu un hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Teongwa Bijekasi, dans ses propos. Monsieur Ndarumanga Munyololo Mbaro, ex-chef du groupe FPP, a remercié le gouverneur du Sud Kivu pour son accueil.
rappelle, en mai 2020, le Sud Kivu avait enregistré une autre réduction de 120 éléments et 19 armes de l'ex-groupe armé. Monsieur Mugnololo Mbao, alias Ndarumanga, et tous les éléments de son groupe Raya Mtomboki, surnommé Ndarumanga, pour sa reddition officielle. Après la reddition totale de l'ex-groupe armé FMMDP, la province vient d'enregistrer une autre grande victoire, la reddition totale de l'ex-groupe armé Raya Mtomboki Ndarumanga. Membre appartenant à la coalition Front Populaire pour la Paix, FPP en sigle, qui s'est rendu avec un effectif de 40 éléments munis de 24 armes légères et lourdes et de munitions. Excellence, Monsieur le Gouverneur, cette reddition a été rendue possible grâce aux efforts conjugués avec la MONUSCO et les FARDC, qui sont nos partenaires privilégiés, sans oublier les organisations impliquées dans la sensibilisation auprès des groupes armés. Nous tenons à préciser que ce processus, grâce à nos partenaires techniques, la MONUSCO et les FARDC, la reddition de l'ex-groupe armé Ndarumanga a respecté toutes les étapes d'un DD, c'est-à-dire le désarmement et la démobilisation standard, structuré, organisé et articulé selon les règles et protocoles internationaux. Cette réduction a été menée en 4 ateliers, à savoir le regroupement, le désarmement et le déséquipement des ex-combattants. 2. Le profilage et orientation des ex-combattants selon le projet d'avenir de chacun pour leur intégration dans la communauté. La sensibilisation des ex-combattants sur l'éducation civique et citoyenne, sur les mesures barrières pour se protéger contre la COVID-19 et enfin sur la prévention contre le VIH-SIDA. 4. Enfin, l'atelier de sortie consistant à la signature de l'acte d'engagement par l'ex-combattant, la remise des certificats et cartes de démobilisés, ainsi que la remise d'un filet d'accompagnement pour leur transport vers leur milieu d'origine respectif. C'est la cérémonie de ce jour. Nous saisissons cette opportunité pour adresser nos remerciements d'abord à Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province Sud Kivu pour les efforts consentis afin de pacifier notre chère province. Ensuite, à la MONUSCO et au FARDC pour leur accompagnement technique, logistique et enfin la collaboration commune pour la paix et la pacification de notre province. Aux organisations partenaires qui interviennent dans le plaidoyer et la sensibilisation, nous disons aussi merci.